Si est-ce un mercredi bien rempli pour l'Ormanodou et ses enfants. La jeune maman a décidé de les emmener faire un tour dans une caserne de pompiers et les deux garçons ont eu la chance de pouvoir se déguiser comme de vrais petits combattants du feu. Lorsque l'on s'occupe de deux petits garçons débordants d'énergie, il faut trouver de quoi les occuper et visiblement, l'Ormanodou y arrive parfaitement. Avant de fonder une famille avec le chanteur Jérémy Frérot, la championne olympique de natation a longtemps été en couple avec un autre nageur bien connu, Frédéric Bousquet. Ensemble, ils ont eu une fille, Manon, âgée de 12 ans et qui vit à l'année avec sa mère, du côté du bassin d'Arcachon. Lorsque les vacances sonnent, la jeune fille, qui est déjà très grande, se rend à Antibes, où habite son père depuis plusieurs années. Ce dernier a lui aussi retrouvé l'amour depuis plusieurs mois et il semble toujours aussi heureux de retrouver sa fille lorsqu'elle vient vivre chez lui. De son côté, l'Ormanodou mène une vie paisible et heureuse dans le sud-ouest, avec son mari et ses enfants. Retraitée depuis de nombreuses années, la sœur de Florent Manodou est une maman attentionnée et qui essaye de passer le plus de temps possible avec ses enfants. Sa fille Manon a développé une véritable passion pour l'équitation et elle l'accompagne régulièrement à ses entraînements. Quant à son fils Lou, 4 ans, si est-il le rugby qui a attiré son attention et le jeune garçon s'adonne déjà avec assiduité à la pratique de ce sport. Pour ce qui est du petit dernier, dont on ne connaît pas encore le prénom et qui est né le 9 janvier 2021, on ne sait pas encore vers quel sport son regard va se tourner. Très active sur Instagram et suivie par près de 175 000 abonnés sur la plateforme, l'Ormanodou aime bien partager des moments de vie avec ses fans. Au début du mois, la championne de 36 ans nous a gratifié d'une belle photo de sa tribu, à savoir ses trois enfants réunis pour un joli cliché. Ce mercredi 24 mai, Manon n'était pas présente. Mais Lou et son petit frère ont eu droit à une belle surprise puisqu'ils se sont rendus dans une caserne de pompiers, comme leur mère l'a montré dans sa story, la photo est à retrouver dans le diaporama. Tous les deux affublés de casques de pompiers, ils semblent tous heureux de ce moment privilégié où ils ont eu la chance de monter dans le camion d'intervention. Le paradis du mercredi, ajoute l'Ormanodou en légende de sa belle photo. Un moment que ces deux garçons ne risquent pas d'oublier de sitôt.